ravissant papillon disparu de Grande-Bretagne y revit comme par miracle. Il s'agit de l'azuret du serpolet, Maculinea arion. Bleu vif, il est inféodé à certains genres de thym, nommés aussi serpolet. Sa capture et la destruction de son habitat sont interdits en Europe. En France, il est localisé, c'est-à-dire présent en de rares lieux. En vol, vous ne verrez pas la différence avec d'autres espèces de petits papillons bleus plus communs. Posé, l'azuret du serpolet se signale aux taches noires du dessus de ses ailes et aux gris perlés de points noirs cerclés de blanc du dessous. Pendant 30 ans, les entomologistes britanniques ont assisté au déclin du papillon. Ils eurent beau placer des barrières pour limiter le piétinement des prairies, il finit par disparaître en 1979. Tragédie pour les amoureux de la nature. Faute d'explication, il fallut chercher. Une équipe de l'université d'Oxford s'y attela. Les résultats de ces travaux sont ahurissants. Une corrélation fut d'abord établie entre l'extinction du papillon bleu et le déclin du lapin. Une cause commune fut trouvée, un changement dans la gestion des prairies sèches. Délaissées par les éleveurs, puis par les lapins ruinés par la myxomatose, les prairies n'accueillaient plus ce qui manquait à l'azuret, des fourmis. Ces fourmis rouges, du genre Mysmica, vivent dans des conditions de température et d'hygrométrie que n'offrait plus l'herbe moins broutée, trop humide, donc plus froide de quelques degrés. Mais quel rapport entre la présence d'une fourmilière et la survie d'un papillon? Il faut le voir pour le croire. Après avoir été pondue sur du thym sauvage dont elle grignote les boutons floraux, la larve encore immature de notre azuret se laisse tomber au sol. Elle émet alors une odeur et une stridulation, oui, un son, imitant ceux des reines des fourmis. À s'y méprendre car les ouvrières se précipitent pour récupérer celles qu'elles prennent pour leurs larves et les transportent dans leur fourmilière. Pendant 10 mois, elles les nourrissent avec zèle par régurgitation. En échange, la chenille de l'azuret produit un miella dont raffolent ses nurses, bien qu'il ne leur soit pas indispensable. La relation d'interdépendance est dissymétrique. Pas de fourmis, pas de papillons. Les chercheurs ont donc compris qu'il fallait, pour le bel azuret, une forte densité de pieds de thym et de certaines fourmilières qui exigent que l'herbe soit broutée. Réintroduite en 1982 dans des biotopes adaptés à partir de spécimens suédois, l'espèce a enfin prospéré. L'article 42 de Laudato Si sera la leçon de cette victoire. Le pape suggère d'investir beaucoup plus dans la recherche pour mieux comprendre le comportement des écosystèmes et analyser adéquatement les divers paramètres de l'impact de toute modification importante de l'environnement. En effet, toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration, et tous en tant qu'êtres, nous avons besoin les uns des autres. Chaque territoire a une responsabilité dans la sauvegarde de cette famille et devrait donc faire un inventaire détaillé des espèces qu'il héberge afin de développer des programmes et des stratégies de protection en préservant avec un soin particulier les espèces en voie d'extinction. Fin de citation. Grâce aux Anglais, on sait préserver l'azuret du serpolet.